Amen. Amen. So as you stand to your feet. Ainsi alors que vous êtes debout. I will not be long with you tonight. Je ne serai pas long avec vous ce soir. I intend to be brief. Je souhaiterais être brief. Bref. So pray for me. Donc priez pour moi. The enemy will do all that he can to hijack. Parce que l'ennemi essaiera de faire tout pour amener la réunion à un échec. But you got pour faire échouer la réunion. You've got to pray for me. Mais vous devez prier pour moi. So as we stand to our feet. Alors que nous sommes debout. Take your Bibles. Prenez vos Bibles. I have a title tonight. Et j'ai un titre ce soir. Charity never fails. La charité ne faillit jamais. Tonight. Ce soir. Tonight. Ce soir. Charity. La charité. God. Dieu. Elohim. Will not fail you tonight. Ne faillira pas ce soir. Somebody say amen to that. Que quelqu'un dise amen à cela. If you believe that, shout hallelujah. Si vous le croyez, criez hallelujah. Charity. La charité. Elohim. God, Dieu, will not fail you tonight. Ne vous faillira pas ce soir. And I have for an inspiration. Et j'ai comme inspiration. Charity anointed seven virtues. Les sept vertus ointes par la charité. Releases virtue power for a birth and for adoption. Libère la vertu puissance pour une naissance et une adoption. So I'm looking forward tonight for virtue to be released. Et si je m'attends à ce que la vertu soit libérée ce soir. Because virtue power is locked up in you. Parce que la vertu puissance est en vous. And we have the understanding. Et nous devons le comprendre. From an apostolic ministry. Par le ministère apostolique. That virtue is released. Que la vertu est libérée. When charity anoints the virtues. Lorsque la charité oint les vertus en so vous. So take your Bible tonight. Prenez-vous alors que vous prenez votre Bible ce soir. Let's look at 1 Corinthians. Allons-y dans 1 Corinthiens. Chapter 13. Le chapitre 13. I'll read the whole chapter tonight. Je lirai le chapitre entier ce soir. Though I speak with the tongues of men and of angels. And have not charity, I am become as a sounding brass or a tinkling cymbal. And though I have the gifts of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burnt, and have no charity, it profiteth me nothing. Charity suffereth long and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself. Is not puffed up. Doth not behave itself unseemly. Seeketh not her own. Is not easily provoked. Thinketh no evil. Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Beareth all things. Believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Charity never faileth. But whether there be tongues, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. For we know in part, and we prophesy in part. But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. When I was a child, I speak as a child, I understood as a child, I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. For now we see through a glass darkly, but then face to face. Now I know in parts, but then shall I know even as also am known. And now abideth faith, hope, and charity. These three, but the greatest of these is charity. La lecture vient d'être faite dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 13, du verset 1 jusqu'au verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Thank you. Merci. Luke 4, 18. Luc, le chapitre 4, le verset 18. The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and the recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. This is the ministry of Jesus Christ. Ceci est le ministère de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Then lastly, et la dernière écriture, 2 Peter chapter 1, 2 Pierre le chapitre 1, verse 3, le verset 3,
down to verse 11. Jusqu'au verset. According as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by these ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. And beside these, giving all diligence unto your faith virtue, into virtue knowledge, into knowledge temperance, unto temperance patience, unto patience godliness, unto godliness brotherly kindness, unto brotherly kindness charity. For if these things be in you and abound, they make you that you shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. But he that lacketh these things is blind and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins. Therefore, together, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if you do these things, you shall never fall. For so an entrance mission to you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Pierre, le chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 11. Le verset 11, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordé. And I have a burden tonight. J'ai un fardeau ce soir. So I want to bring you this prayer from Brother Paul. Et je veux apporter cette prière de Frère Paul. In Ephesians 3:14. De Frère Paul dans Éphésiens. For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ. À cause de cela, je fléchis les genoux. Of whom the whole family in heaven and earth is named. En qui toute la famille dans le ciel et sur la terre. That he will grant you according to the riches of his glory. Et qu'il vous accorde selon la richesse de sa gloire. To be strengthened with might. Afin d'être fortifié. By his spirit. Par dans l'esprit. In the inner man. Dans l'homme intérieur. So therefore tonight. Ainsi par conséquent ce soir. My burden tonight. C'est mon fardeau ce soir. That the inner man inside of you. Que l'homme à l'intérieur de vous. The real inside inside man. Le véritable homme à l'intérieur de l'intérieur. With might, soit fortifié par la force, by his spirit, et par son esprit, in that inner man, dans l'homme intérieur. So bow hands down for the prayer. Inclinons notre tête pour un mot de prière. Heavenly Father, Père céleste, we have read the written word, nous avons lu la parole écrite, the written mysteries, les mystères écrits. But we thank God. Mais nous remercions Dieu. The Lord himself came from heaven. Le Seigneur lui-même est descendu du ciel. To put an interpretation, pour placer une interprétation, upon this written mystery, sur ces mystères écrits. By letting us see the hidden parts nous amenant of this à connaître, à voir la partie cachée de ce mystère. The hidden mysteries. Le mystère caché. Was to reveal our hidden life. C'était de révéler notre vie cachée. Lord Jesus. Seigneur Jésus. I'm asking you God tonight. Je te demande ce soir. That you send down the Holy Spirit. Que tu envoies le Saint-Esprit. Strengthen this inner man. Et que tu fortifies l'homme intérieur. With might. Par la force. By your spirit. Par ton esprit. So we can begin to climb afin the steps. Afin que nous puissions gravir les marches. So we can begin to overcome. Et que nous puissions vaincre. Because we have a promise from parce God. Que nous avons une promesse de Dieu. That's our inner man. Que notre homme intérieur. The seed of God and the soul. La semence de Dieu à l'intérieur de l'homme. Possédera chaque porte de l'ennemi. Lord God tonight. Seigneur Dieu ce soir. Every gate of the enemy. Chaque porte de l'ennemi. May it God be possessed. Que cela soit possédé. For the glory of your name. Pour la gloire de ton nom. We ask it all in Jesus' name. Nous le demandons dans le nom de Jésus. Maybe see that. Pouvez vous asseoir. Well, somebody say amen. Bien que quelqu'un dise amen. So here we go tonight. Ainsi nous voici ce soir. So I won't be long as I promised. Je ne serai pas long comme je l'ai promis. Just a short message. Juste un court message. Praise God, hallelujah. Louange à Dieu, hallelujah. I know we know where we are standing this evening. Et je sais que nous nous tenons ici ce soir. This season. Et cette saison. God sent for the prophet. Dieu a envoyé un prophète. To comfort the bride. Pour appeler l'épouse. We know that by knowledge. Et nous le connaissons par la connaissance. And this bride can only be called. Et cette épouse ne peut seulement être appelée. By seven thunders. Par les sept tonnerres. So for the Branham. Et si frère Branham. Left the seven thunders. A laissé les sept tonnerres. As the bride's inheritance. Comme l'héritage de l'épouse. And those seven thunders. Et les sept tonnerres. Was to gather a bride together. Devait rassembler une épouse. Was to show a bride how to prepare. Montrer à l'épouse comment se préparer. Was to give a bride faith. Donner à l'épouse la foi. Was to give a bride a donner revival. À l'épouse un réveil. So if you notice, si vous remarquez, the seven thunders, les sept tonnerres, is exclusively for the bride. Exclusivement pour l'épouse. It is not a church message. Ce n'est pas un message d'église. It's only the bride. C'est seulement l'église, l'épouse. That shall gather together. L'épouse qui sera rassemblée. Only the bride. Seulement l'épouse. Shall be given a revival. Qui aura un réveil. Nobody else. Personne d'autre. Say amen to that. Dites amen à cela. But after the prophet left, mais après le départ du prophète, false anointed ones came into the message. Les faux soins du temps sont venus dans le message. And tried to let you believe. Ils ont
essayer de vous amener à croire that the seven thunders was not revealed. Que les sept tonnerres n'ont pas été révélés. All kinds of interpretations. Et toutes sortes d'interprétations. That once you believe the message, et qu'une fois que vous croyez le message, you have the Holy Ghost. Vous savez le Saint-Esprit. Anointed men, les hommes ouins, they have a big following. Ils ont des gens qui les suivent. Gloire soit rendue à Dieu, amen. God knew there was a mais Dieu savait qu'il y avait une semence prédestinée. So the same Jesus Christ ainsi came le même Jésus est revenu after Malachi 4, après Malachi 4 and raised up a ministry et a suscité un ministère in New York City, à New York City apostolic ministry, un ministère apostolique same Jesus, le même Jésus to keep those promises pour garder ses promesses de ses tonnerres vivants. Praise God, hallelujah. Dieu, hallelujah. We must not take that for granted. Et nous ne devons pas prendre cela pour acquis. The understanding we have today, la compréhension que nous avons aujourd'hui dans ce message can only made possible n'a pu être possible apostolic ministry. Que par un ministère apostolique. So no minister in this message, mais si aucun ministre dans ce message me, different, me dira quelque chose de différent, I know, parce que je sais whatever is your understanding, que tout ce que vous comprenez, whatever you preach it today, et tout ce que vous prêchez aujourd'hui, you got your understanding, vous devez comprendre from a ministry, d'un ministère. Praise God, hallelujah. Louange à Dieu, alléluia. Apporte le message. Go across the message wall. Et allez-y tout au travers du monde du message. Toutes sortes d'interprétations. I just came from Europe. Et je viens de l'Europe. I went to a message meeting. Et je suis allé dans une réunion du message. Hear the things they preach. Regardez les choses qu'ils prêchent. From the message. Du message. Of the Branham. De frère Branham. Of the interpretation. Mais l'interprétation. Because you know why? Parce que vous savez la raison. No man can come behind the prophet. Aucun homme ne peut venir derrière le prophète. Without having the same angel. Sans avoir le même ange that the prophet has, que le prophète avait. You can only say back what the prophet said, vous pouvez dire ce que le prophète a dit by the same spirit, par le même esprit, by the same angel, par le même ange. Hallelujah, praise God, hallelujah. Hallelujah, louange à Dieu. Oh, praise God, amen. Oh, louange à Dieu, amen. The seventh thunder message, le message des sept tonnerres, was given to Brother Branham, a été donné à frère Branham, by seven angels, par sept anges. Brother Branham said, et frère Branham a dit, que les sept tonnerres, was only made known to those angels. Les sept tonnerres étaient seulement connus par les anges. Donc il n'y avait aucune manière pour frère Branham de comprendre les sept tonnerres en dehors des sept anges. Et aujourd'hui, les sept anges, ils sont ici. Ils sont ici. Ils quittent la page 304 ici. Ministre dans cette saison. Vous allez entendre les sept fois. Les sept fois de la page 304. Alléluia. Brother Branham, frère Branham, brought this message. A apporté ce message. This message, ce message, is charity. C'est la charité. The top stone, la pierre de fête. That means, cela veut dire, he came to charity. Il est venu avec la charité. When he came to the third pool, lorsqu'il est arrivé au troisième pool, le troisième pool, to reveal the hidden mystery, devait révéler le mystère caché, that has been hidden, qui était caché, way back before the world began, avant la fondation du monde. So Brother Branham's ministry, le ministère de frère Branham, is a ministry of mysteries. C'est un ministère de mystère. If you take the mysteries out of this message, si vous ôtez les mystères du message, you are left with shock. Alors vous restez avec la peur. The mysteries, le mystère, was what indicated Brother Branham. C'est qui a confirmé frère Branham. So I'm going to preach mysteries. Donc je vais prêcher les mystères, hidden mysteries, les mystères cachés. Because these hidden mysteries, parce que ces mystères cachés, we are sent, ont été envoyés, to reveal your hidden life, pour révéler votre vie cachée. There's a life inside of you. Il y a une vie à l'intérieur de vous. There's a hidden life. Il y a une vie cachée. It takes hidden mysteries. Et il faut des mystères cachés pour révéler cette vie. Satan does not know who you ne are. Connaît pas qui vous êtes. He does not believe who you are. Il ne croit pas qui vous êtes. He does not know what is inside of il you. Il ne sait pas ce qui est à l'intérieur de vous. Inside of you, mais à l'intérieur de vous, life, une vie cachée. A supernatural life, une vie surnaturelle. Praise God, hallelujah. Louange à Dieu, hallelujah. Oh, praise God, amen. Louange à Dieu, amen, hallelujah. That's the message. Ça c'est le message. And Brother Branham said, et frère Branham what is charity? Qu'est-ce que la charité? It's a perfect interpretation. Il dit c'est la parfaite interprétation of the word, de la parole, but mais with divine vindication, avec une confirmation divine. Not just interpret the word, pas seulement interpréter la parole, but with a divine vindication, mais avec une confirmation divine. So how can any minister, est-ce comment un ministre, preach this hidden mysteries, peut prêcher le mystère caché? Parce que frère Branham a dit, hidden mysteries, ce mystère caché, will literally turn your hearts, pour littéralement ramener votre cœur, back to the faith of the fathers, de retour à la foi des pères. Just a slap to Satan's face.
Et cela la face de Satan. These hidden mysteries, ces mystères cachés, will literally turn your heart, vont littéralement ramener votre cœur, to the faith of the fathers, de retour à la foi des pères. Hallelujah, Satan. Hallelujah. Satan ne peut pas arrêter cela. Le diable ne peut pas arrêter cela. Dans le cœur de quelqu'un, is going to be turned to le cœur de quelqu'un sera ramené. Le mystère caché, revealed to you by Malachi, révélé à vous par Malachi. Oh, praise God, hallelujah. Oh, louange à Dieu, hallelujah. Hallelujah. Oh, praise God, amen. Oh, louange à Dieu, amen. This is 50 years. Ceci fait 50 années. Down the road. Tout au long du chemin. People still don't even know. Et les gens ne savent toujours pas. What the hidden mysteries are. Ce que sont les mystères cachés. It was an apostle. C'était un apôtre. The gift of God. Un don de Dieu. Came back to identify the hidden mystery. Qui est venu identifier le mystère caché. So a minister. Donc un ministre. That has not met that apostolic ministry. Un ministre qui n'a pas rencontré. Can preach from the prophet's message. Qui n'a pas rencontré ce ministère apostolique. Was only philomathia. Prêcher le message du prophète. Because you preach the hidden mysteries. Mais parce que vous prêchez le mystère caché. God gives a divine vindication. Dieu donne une confirmation divine. Tonight you are going to receive a divine. Ce soir vous allez recevoir la confirmation divine. We are not just talking mysteries. Nous ne parlons pas seulement de mystères. We are talking mysteries. Mais nous parlons de mystères. With a divine. Avec une confirmation divine. Tonight, ce soir, vous allez recevoir une confirmation divine. Les malades seront guéris. Les aveugles verront. Je vous défie de croire cela ce soir. Vous serez remplis. Vous recevrez le Saint-Esprit. Une confirmation divine. Vous n'êtes pas des gens ordinaires. Vous êtes prédestinés. Hallelujah. Hallelujah. Glory, now listen glory, tonight. Glory. Écoutez ce soir. We are not regular people. Nous ne sommes pas des gens ordinaires. Regular people. Des gens ordinaires. They have a human body. Ils ont un corps humain. With five senses. Avec cinq sens. Regular people. Les hommes ordinaires. They have a human spirit. Ils ont un esprit humain. With five senses. Avec cinq sens. Regular people. Les hommes ordinaires. They have a human soul. Ils ont une âme humaine. The human soul. Une âme humaine. Has two senses. A deux sens. It has faith. La foi. It has a belief. Et le doute, la crédulité. That's the guy you must watch. Ça c'est la personne que vous devez observer. That's the deceiver. Ça c'est celui le trompeur. He has faith, il a la foi, but he also has unbelief. Mais il a aussi l'incrédulité. But there is another man. Mais il y a un autre homme. He has only one sense. Il n'a qu'un seul sens. That's faith. Ça c'est la foi. He does not understand unbelief. Il ne comprend pas ce que c'est que l'incrédulité. He does not understand doubts. Il ne comprend pas le doute. All he understands. Tout ce qu'il comprend. Faith. C'est la foi. It's possible. C'est possible. I can be seen. Je peux être. I can be here. Je peux être. Hallelujah, praise God. Hallelujah, that's louange all à Dieu. Understand. Voici comment vous comprenez. And that is the man. Et c'est cela la personne. I'm talking to tonight. À qui je parle ce soir. Hallelujah. Now listen. Maintenant écoutez. I brought this mystery back home. J'ai apporté ce mystère à la maison, dans mon église. I have a great revival. Et nous avons eu un grand réveil. Listen tonight. Écoutez ce soir. Regular people. Les hommes ordinaires. Have a body. Ils ont un corps. Five senses. Ils ont cinq sens. They have a spirit. Ils ont un esprit. Five senses. Ils ont cinq sens. They have a human soul. Ils ont une âme humaine. Two senses. Ils ont deux sens. That is why. C'est la raison pour laquelle human beings, l'être humain, have faith, a la foi, to do great things, pour faire de grandes choses, faith, la foi, to go up to the moon, pour aller là dans la lune, faith, la foi, to explore the universe, pour explorer l'univers entier. That is great faith. Ça c'est une grande foi. And if the Holy Ghost, et si le Saint-Esprit, comes on the human soul, vient dans l'âme humaine, it can anoint the faith element in that soul. Il peut oindre l'élément de la foi dans cet homme. And with that faith, et avec cette foi, you can believe so much of the word of God. Vous pouvez croire suffisamment de la parole de Dieu. But because that soul, mais parce que cette âme, that nature, cette nature, has a margin for unbelief, cette nature a aussi une, you will always une nature d'incrédulité. Vous allez douter la parole de Dieu quelque part.
And that is where the Pentecost is coming. Et ça c'est ce qui identifie les pentecôtistes. The Holy Spirit came down. Le Saint-Esprit est descendu. 1906. En 1906. And anointed the human soul. Et a oué l'âme humaine. But in the human soul, mais dans l'âme humaine, it's a faith. Y a une foi. There is a faith there. Y a une foi qui se trouve. But it also has unbelief. Mais y a aussi l'incrédulité. So you can only believe. Donc vous ne pouvez seulement croire. So much of the word. Suffisamment de paroles. But because there's a place in that soul, mais parce qu'il y a une place dans cette âme, for unbelief, pour l'incrédulité, you always have the tendency, vous aurez toujours la tendance, to disbelief, à ne pas croire, à douter. But Branham, mais frère Branham, because 6,000 years, parce que 6,000 ans, that is what we are taught. C'est ce qui nous avons été enseigné by theology, par la théologie. That we are body, que nous avons un corps, we are spirit, nous avons un esprit, and we are soul. Et nous avons une âme. But God sent a prophet, mais Dieu a envoyé un prophète to go beyond that, pour aller au-delà de that cela, beyond the soul, au-delà de l'âme. If you are predestinated, si vous êtes prédestiné, if you are predestinated, si vous êtes prédestiné, if you are predestinated, si vous êtes prédestiné, God hid something there. Dieu place quelque chose à l'intérieur. Amen. Un homme. He hid a man there. Et il a caché un homme à l'intérieur. Un homme caché. 1 Peter 3. Et Pierre 3. Peter calls him the hidden man of the heart. Pierre appelait cela l'homme caché du cœur. The guy for saw the man. Dieu a placé l'homme intérieur. He said, I am the happiest man. Il dit, c'est un homme intérieur. To see. Pour voir. That after the human soul. Et après l'âme humaine. It's a seed. Se trouve une semence. That seed of God. Et cette semence de Dieu. It's a man. C'est un homme. It's a man. C'est un homme. It's the stature. C'est une statue. Of a perfect man. Une statue d'un homme parfait. And Jesus. Et Jésus. Came to die. Est mort. To redeem that man. Pour racheter cet homme. He said, this message, il dit ce message, this capstone message, il dit ce message de la pierre de fête, is a message of teaching, est un message d'enseignement, that ties this man in, qui lit cet homme à l'intérieur, going to be with him, l'homme qui sera racheté, by the blood of Jesus, par le sang de Jésus, and be in that eternal judgment, et qui sera dans l'âge de l'église éternelle. That is the man Jesus came for. Ça, c'est l'homme pour lequel Jésus est venu. Louange à Dieu, amen. But for 6,000 years, mais 6,000 ans de cela, he was a hidden man. C'était un homme caché. Hallelujah. 6,000 years. 6,000 ans. We believed. Nous croyions. We are human bodies. Que nous avons un corps humain. We are human spirit. Un esprit humain. We are human souls. Et une âme humaine. Now your soul. Maintenant votre âme. Is the nature of your spirit. C'est la nature de votre esprit. Your spirit has reasoning. Et votre esprit a le raisonnement. Affection. L'affection. Memory. La mémoire. You see, but all those senses. Et vous voyez tous ces sens. Controlled. Sont contrôlés. By a nature. Par une nature. That consists of good and evil. Qui consiste au bien et au mal. So your conscience. But votre conscience. Can either be good. Peut être soit bon. Or evil. Ou mauvais. Your imagination. Votre imagination. Can either be good. Peut être soit bonne. Or evil. Ou être mauvaise. So when you operate from that part. Donc lorsque vous agissez à partir de cet élément of your being, de votre être, we call them the humanistic people. On appelle cela des personnes qui sont dans l'élément humain. They take orders from their soul. Et tout ce qu'ils reçoivent de leur âme, they are not stable. Ils ne sont pas stables. Their conscience can be good today. Leur conscience peut être bonne aujourd'hui. And can be bad tomorrow. Et peut être mauvaise le lendemain. Their imaginations can be good leur today. Leur imagination peut être bonne aujourd'hui. And be bad tomorrow. Et être mauvaise le lendemain. That's your Jacob grace. Ça c'est Jacob grâce. That's not stability there. Ça c'est un bébé qui est là. But there's one more step. Mais il y a plus de marche à gravir. Le quatrième homme, the hidden man, l'homme caché, the stature, la statue of a perfect man, de l'homme parfait, is inside your soul, il est à l'intérieur de votre âme. 6,000 years, 6,000 ans de cela, this man, cet homme, has been waiting, attendait, to step out, pour sortir, this season, cette saison-ci, this man, cet homme, is going to step out, va sortir, step out of your being, il va sortir de votre être. Hallelujah, praise Hallelujah, God, louange à Dieu. That is my prayer. Ça c'est cela ma prière. God begin to strengthen. Que le Seigneur commence à fortifier cet homme by his spirit, par son esprit, in the inner man, l'homme intérieur, the power, la puissance, strength, la force, can begin to come, peut commencer à venir inward parts, dans votre partie intérieure, inside of you, à l'intérieur de you vous, feel strengthened, vous vous
sentez fortifié. Vous vous sentez puissant. That is your promise. Ça, c'est votre promesse. Let somebody shout hallelujah. Que quelqu'un crie alléluia. Let somebody shout hallelujah. Que quelqu'un crie alléluia. Hallelujah, hallelujah. I know we are so weak. Je sais que nous sommes si faibles. But my prayer tonight, mais ma prière ce soir, that this inner man, que cet homme intérieur soit fortifié by his spirit, par son esprit, power, la vertu puissance coming down, vient maintenant. You will feel strength, vous allez sentir la force in your inward parts, dans votre partie intérieure. Not just coming to church and shout, pas seulement venir à l'église et pousser des cris, but in your inward parts, mais dans votre partie intérieure. Your strength, votre force shall be renewed, sera renouvelée. So jour après jour, every day is a new power, chaque jour c'est une nouvelle puissance, to overcome, pour vaincre, the obstacles for that pour vaincre day, les obstacles de ce jour, charity, parce que la charité ne va jamais vous faillir. Tonight, ce soir, vertu power, la vertu puissance, strength, la force is coming inside, vient à l'intérieur de vous, inward part, votre partie intérieure, strength, vous allez sentir la force inside, à l'intérieur, to step above your diseases, pour marcher sur votre maladie. To step above your sickness. Pour marcher sur votre maladie. To step above your sin. Pour marcher sur votre péché. Somebody shout hallelujah. Que quelqu'un crie hallelujah. You are living here tonight. Vous vivez, vous allez quitter ici ce soir. God. Avec Dieu. New strength. Une nouvelle force. New power. Une nouvelle puissance. Out of hallelujah. Hallelujah. Qui va se réveiller de votre tête. That is my prayer. C'est ma prière. That is my body. C'est cela mon fardeau. Louange à Dieu. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You hallelujah. Can't overcome Satan. Vous ne pouvez pas vaincre Satan. From the outside. À partir de l'extérieur. From the inside. Mais à partir de l'intérieur. Strengthened with might. Fortifié par la force. By his spirit. Par son esprit. That's in the inner man. Dans l'homme intérieur. Hallelujah, praise God. Hallelujah. So this man. Ainsi cet homme. This inner man. Cet homme intérieur. This inside man. Cet homme intérieur. This real man. Ce véritable homme. That's the man the new birth begins from. C'est l'homme à partir de duquel la nouvelle naissance commence. And it's only the elect of God. Et c'est seulement les élus de Dieu that has this man inside of them. Qui ont cet homme à l'intérieur d'eux. That is why you can't be reborn. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas naître de nouveau. Bram said only the elect can Frère be reborn. Frère Branham dit seuls les élus peuvent naître de nouveau. So this new birth. Et si cette nouvelle naissance. It's not for church. Ce n'est pas pour l'église. This new birth. Cette nouvelle naissance. It's only for the elect. C'est seulement pour les élus. Now listen. Maintenant, écoutez. There are plenty kinds of bath. Il y a plusieurs sortes de naissances. But I'm talking about a legitimate bath. Mais je parle d'une naissance légitime. It is not good enough to be born. Ce n'est pas suffisamment bon d'être né. The question is. La question est. Is your bath legitimate? Est-ce que votre naissance est légitime? Because when your birth has no legitimacy, parce que lorsque votre naissance n'a aucune légitimité, that birth is called a bastard birth. Cette naissance est appelée une naissance bâtarde. So bastards are born. Ainsi un bâtard est né. But the birth, mais la naissance, is not recognized. N'est pas reconnue. Hallelujah, praise Hallelujah, God. Louange à Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Your birth, votre naissance, must be recognized. Doit être reconnue. And the only birth, et la seule naissance, that God recognizes, qui c'est que Dieu reconnaît, is a birth, c'est la naissance, that comes by word, qui vient par la parole, and by spirit, et par l'esprit, not by sensation, pas par les sensations, not by feelings, pas par les émotions, not by jumping, pas par les sauts, a birth, une naissance, a birth, une naissance, by word, par la parole, and by spirit, et par l'esprit, that birth is legitimate, et cette naissance est légitime. That's the birth that God accepts. Voici la naissance que Dieu reconnaît. Criez Alléluia. And now listen. Maintenant écoutez. Paul says in Hebrews. Paul dit dans les Hébreux. He's talking of the chastening of the son. Il parle des fils. The son has to be chastened. Le fils doit être châtié. I call that chastening. Et il a appelé ce châtiment. Your place of trying. Votre endroit d'épreuve.
God proving to you, Dieu vous prouve, that you are the right kind of a son. Que vous êtes la bonne sorte de fils. And Peter said, et Pierre a dit, if you cannot take the justice of the Lord, si vous ne pouvez pas supporter le châtiment du Seigneur, he said, you are bastards, alors vous êtes un bâtard, you are not sons, vous n'êtes pas un fils, because your sonship, parce que votre filiation, cannot be proven, n'a pas été prouvée. Praise God, hallelujah. Louange à Dieu, hallelujah. Jesus, Jésus, was the right kind of a son, était la bonne sorte de fils. After he was born, après qu'il soit né, he went to the wilderness, il est allé dans le désert. God was proving, il a été prouvé. Who a real son of God, il a été testé être un véritable fils de Dieu. Jesus, et Jésus, a seed of God, une semence de Dieu, overcame every trial, a vaincu chaque épreuve, every temptation of the enemy, chaque tentation de l'ennemi. That was God proving, ça c'était Dieu qui prouvait. This is my beloved son, celui-ci est mon fils bien-aimé. So even so, ainsi même, in this age, dans cet âge, after you are born, après que vous soyez né, votre naissance must be proven, doit être prouvée, must be tested, doit être testée. God does the proving. Et Dieu vous prouve. If your birth is not legitimate, si votre naissance n'est pas légitime, you may have some fine sensations, vous pourriez avoir des sensations, you may do some signs and wonders, vous pourriez faire des signes et des merveilles, but you are still not born right. Mais vous n'êtes pas né de la bonne manière. So we thank God. Et si nous remercions Dieu, we are predestinated of God. Quand nous sommes des prédestinés de Dieu, to be born, that name, by what? Par la parole, by spirit, et par l'esprit. And that is why, et c'est la raison pour laquelle nous pouvons prendre the chest of the Lord, nous pouvons prendre le châtiment du Seigneur. Chastises you, lorsque le Seigneur vous châtie, because we're son, parce que vous êtes un fils, you say amen, vous dites amen. You don't pull back, vous ne retrogradez pas. You don't leave the church, vous n'abandonnez pas l'église. God is proving to you, Dieu est en train de vous prouver, that your birth, que votre naissance is legitimate, est légitime. Somebody say amen. Que quelqu'un crie amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So there has to be sorry. Ainsi, je vais bientôt terminer. The Holy Ghost is coming now. Le Saint-Esprit vient maintenant. So there's a place of trial. Donc il y a un endroit d'épreuve. A place of proving. Un endroit où vous êtes testé. God coming to prove. Dieu vient pour prouver. To Satan. À Satan. You are not like Eve. Que vous n'êtes pas comme Eve. Because you know why? Parce que savez-vous la raison? The inner man in you. L'homme intérieur en vous. Was created after charity. A été créé selon la charité. You see, charity. La charité, thinketh no evil. La charité ne pense rien de mal. Charity, la charité, believeth all things. Croit toutes choses. It beareth all things. Supporte toutes choses. It endureth all things. Endure toutes choses. Charity, la charité, can bear the brother. Peut supporter un frère. When he gets off the way. Un frère qui est sorti du chemin. Whether he repents or does not repent. Qu'il se repente ou non. Charity believes, la charité croit, that maybe a wrong spirit, que peut-être un mauvais esprit, upon that brother, est sur ses frères. But the eyes of charity, mais les yeux de la charité, sees beyond the brother's weakness, voit au-delà de la faiblesse du vous frère. See the seed of God in the brother, et vous voyez la semence de Dieu dans and le frère. And you pray for the brother, et vous priez pour le frère. You take authority, et vous avez l'autorité. This is not our brother. Ceci ce n'est pas mon frère. This is an evil spirit. Ceci c'est un mauvais in the esprit. Name of Jesus Christ, dans le nom de Jésus Christ, you cast it out. Vous le chassez. That is charity. C'est la charité. Not sitting there. Ce n'est pas s'asseoir. Condemning the brother. Et condamner le no, frère. No, 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 that no, no, is humanistic. Ça, c'est l'élément humain. I understand that. Je comprends cela. Hallelujah. Criez hallelujah. That's why sometimes. Voilà pourquoi quelquefois. God. Dieu. Will allow some deliberate mistakes. Permettra des erreurs. To test our maturity. Pour tester votre charité. Hallelujah, praise God. Hallelujah, louange à Dieu, amen. Because charity, parce que la charité, thinketh no evil, ne pense pas du mal. God has no place in his mind. Dieu n'a aucun endroit dans sa pensée. To think about your evil. Pour penser de votre mal. He has no place in his mind. Il n'a aucun endroit dans sa pensée. To think of the mistakes you make. Pour penser aux erreurs que vous commettez. God, keep believing. Dieu continue de croire. That's one day. Un jour, you shall be delivered. Vous serez délivré. God sits down the road. Parce que Dieu. Because predestination. Parce que la prédestination. Looks down to foreknowledge. Regarde au-delà de la. Regarde derrière à la prescience.
et la préscience. Looks down to destiny. Regarde la destinée. God sees your destiny. Dieu voit votre destinée. In 2019. Mais 2019. All these evil spirits. Tous ces mauvais esprits. Are going to leave you. Vont vous quitter. God sees that. Dieu a vu cela. He keep living for you. Et il a continué de croire pour vous. Believing for you. Il croit pour vous. You made many mistakes. Vous avez commis plusieurs erreurs. God believing for you. Mais Dieu continue de croire because pour God vous. Saw. Parce que Dieu a vu. 2019. Every evil spirit. Chaque mauvais esprit. Is going to leave you today. Va vous quitter aujourd'hui. And you shall be clean. Et vous allez commencer. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Lord. Yes. Yes. Lord. Yes. You are going to be clean. Vous serez nettoyé. The devil is a liar. Le diable est un menteur. Satan est a liar. Satan est un menteur. You are going to be clean. Vous serez nettoyé. Right now. Maintenant même. I take authority. Je prends autorité. Under the anointing. De l'onction. Of the Holy Ghost. Du Saint-Esprit. Satan. Satan. You can't hold the people. Tu ne peux plus dire anymore. Tu ne peux plus dire ça. Jesus, dans le nom de Jésus. I cast you out, Satan. Je chasse, je te chasse, spirit. Toi, esprit. You feel the spirit. Toi, mon père, esprit. I cast you out. Je te chasse. Leave. Sors. Leave. Sors. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Glory, glory, glory. Yes. La charité. La charité. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hosanna, 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 Hosanna. Yes. 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 Yes, Lord. The Holy Ghost is just descending. Le Saint-Esprit. The Holy Ghost is here right now. Le Saint-Esprit est ici maintenant. I can feel it. Je peux le sentir. Lord God Almighty. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Whatever is your situation. Quelle que soit ta situation. Authority right now. L'autorité maintenant. Strength. La force. Power. La puissance. It's not coming to you. Viens maintenant à vous. Take a leap of faith. Take a leap of faith. Vous pouvez vivre par la foi. And cast that devil out of your life. Et chasser les démons oh, de votre vie. Oh, praise God, hallelujah. Oh, hallelujah. Charity. La charité. Never fail it. Ne faillis jamais. Now think about that. Maintenant, pensez à cela. I'm closing out very soon. Je termine maintenant. Think about that. Pensez-y maintenant. And listen. Maintenant, écoutez. We are supposed to add charity. Nous sommes supposés avoir la charité. Like we have added every other virtue. Nous sommes supposés ajouter la charité après avoir ajouté toutes les because autres vertus. Peter said, parce que Pierre a dit, brotherly kindness, à l'affection fraternelle, add charity. Ajouter la charité. That means this charity. Cela veut dire que la charité, that beareth all things, qui supporte toutes choses, endureth all things, qui endure toutes choses, huh? Hein? Can be added. Peut-être ajouté. But it takes faith. Mais il faut la foi. Because if you're in the humanistic realm, parce que si vous êtes dans l'élément humain, you might say that is not possible. Vous pouvez dire ce n'est pas possible. But God said add it. Mais Dieu a dit ajoutez cela. You've got to add it tonight. Et vous devez l'ajouter ce soir. Somebody shout hallelujah. Que quelqu'un crie hallelujah. It can be added. Cela peut être ajouté. We can add it tonight. Vous pouvez l'ajouter ce soir. Hallelujah, praise hallelujah, God. Louange à Dieu. This convention. Cette convention. It's a capstone convention. Est une convention pierre de fête. That means charity. Cela veut dire que la charité. Sera ajoutée ce charity. Soir. La charité. Sera ajoutée the ce soir. Of God. L'amour de Dieu. The love of God. L'amour de Dieu. Sera ajouté ce soir. Hallelujah, hallelujah. 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 Louange à Dieu. Wonderful. Merveilleux. Glory. Glory. I have a second message. J'ai un deuxième message dont j'essaye de d'écouter. So God, ainsi Dieu predestinated you, vous a prédestiné and by predestination, par la prédestination. If I saw you,
Il vous a vu d'avance. It is for knowledge. Sa préscience. He knows all the mistakes you make. Il connaît toutes les erreurs que vous commettriez. That is, it's for knowledge. Ça, c'est sa préscience. But you see, his nature. Mais vous savez, sa nature. Still held on you, on you. Sa nature continue de croire en vous. God by for knowledge. La préscience de Dieu, he sees your mistakes, il voit vos erreurs, he sees your weaknesses, il voit vos faiblesses, but his nature, mais sa nature will not let him give up on you, ne va jamais l'envoyer à vous abandonner. His nature, sa nature stood there for you, s'est tenu là pour vous in the midst of your mistakes, au milieu de toutes vos erreurs, his nature, parce que sa nature is perfect, est parfaite. His nature, sa nature all things, supporte toutes his choses. Nature, sa nature endures all things, endure toutes choses. His nature, sa nature, for you, s'est tenu là pour vous. And maybe down the years, et peut-être que tout au long des années, people condemned you, les gens vous ont condamné, they wrote you off, les gens vous ont retranché, based on your weaknesses, à cause de vos faiblesses, based on the mistakes you make, à cause des erreurs que vous avez commises. They have no eyes of charity, ils n'ont pas les yeux de la charité. They are human beings, là est humain, but the seven eyes of charity, mais les sept yeux de la charité, does not see that, ne voient pas cela. God was looking at the destiny, Dieu regarde à votre destinée. So this 2019, ainsi 2019, somebody here, quelqu'un ici, is going to encounter destiny. Quelqu'un va rencontrer sa destinée. You're going to encounter your destiny. Vous allez rencontrer votre destinée. You're going to meet face to face. Vous allez rencontrer face with à face destiny. Avec votre destinée. Praise God, hallelujah. Louange à Dieu, hallelujah. Your destiny, votre destinée, was not to be a sickler. Ce n'est pas d'être malade. Your destiny, votre destinée, was not to be a diabetic. Ce n'est pas d'être diabétique. Your destiny, votre destinée, is not to be eaten by cancer. Ce n'est pas être dévoré par le cancer. Ce n'est pas cela votre destinée. Because in the mind of Elohim, parce que dans la pensée d'Elohim, vous étiez là dans sa pensée. In his mind, et dans sa pensée, your state was perfect. Votre état était parfait. In his mind, votre état était parfait. You did not have polio. Dans sa pensée, vous n'avez pas la poliomyélite. Dans sa pensée, your spirit, votre esprit, did you have any cancer? N'a pas de cancer. Your state in Elohim's votre mind, état dans la pensée d'Elohim, was perfect. Est parfait. Because in Elohim's mind, parce que dans la pensée d'Elohim, you were Holy Spirit. Vous étiez dans le Saint-Esprit. Your thought was eternal. Votre pensée était éternelle. In the mind of Elohim, dans la pensée d'Elohim. So in that mind, ainsi dans cette pensée, you didn't carry a filthy spirit. Vous ne pouvez pas avoir un autre esprit. No. Non. Do you think in God's mind you were filthy? Pensez-vous que dans la pensée de Dieu vous étiez souillé? Do you think in God's mind your spirit has some polio? Pensez-vous que dans la pensée de Dieu vous avez la polio? Of course no. Bien sûr que non. Elohim came down. Elohim est descendu. And took you back before the beginning. Et il vous a ramené avant le commencement. What was he doing? Qu'est-ce qu'il faisait? He was placing you in the Godhead. Il était en train de vous placer dans la divinité. Your life, votre vie, your thought, votre pensée, your real you, le véritable vous, in God, en Dieu, that was perfect, est parfait. That is why the minister comes. Voilà pourquoi le prédicateur vient. Anointed. Il est loin with the Holy Spirit, avec le Saint-Esprit, to remove every other spirit pour in you, ôter tous les autres esprits qui sont en vous, that was not you, qui n'est pas vous, to bring you down, qui essaye de vous faire chuter, to your original spirit. Et vous allez vous ramener à votre esprit because original, your original spirit, parce que votre esprit original, which was in God, qui était en Dieu, was Holy Spirit. Était le Saint-Esprit. Every other spirit, tout autre esprit, spirit of lying, esprit de mensonge, that's not your spirit. Ce n'est pas votre esprit. Adultery, l'adultère, fornication, la fornication, that's not your spirit. Ce n'est pas votre esprit. So the man of God, donc l'homme de Dieu, fight those spirits. Il trouve cet esprit, remove those spirits. Il ôte tous ces esprit, and bring you down, et il vous ramène to one spirit, à un seul esprit, and this one spirit, et ce seul esprit, is the only spirit, c'est le seul esprit, that was, qui était, that is, qui est, and shall be, et qui sera. That spirit, l'esprit, does not know sickness. Qui ne, dans l'esprit vous n'avez that pas de maladie. Cet esprit cannot sin, ne peut pas pécher. That was your original spirit. Ça c'est votre esprit original.
Hallelujah, hallelujah. How many understand that? Combien comprennent cela? Maintenant, écoutez. We are all representations. Nous sommes tous des représentations. Down here, ici, this is a physical world. C'est un monde physique. You are given a physical body. Un corps physique vous a été donné to represent you. Pour vous représenter. So when I see Brother Etienne, donc quand je vois Frère Etienne physically, physiquement, I have some type of an idea, j'ai un champ, une sorte d'idée, how he may look like, comment, à quoi il ressemblerait in the new land, dans le nouveau pays. But this is only a representation. Mais ceci est seulement une représentation. After that, après cela, you have a human spirit, vous avez un esprit humain and a human soul, et une âme humaine. That spirit and soul is worldly in nature. Et cet esprit et cette âme est une fausse nature. That spirit, cet esprit, roams in the spirit land. Cet esprit agit dans le domaine spirituel. And in the spirit land, et dans le domaine spirituel, good and evil spirits, les bons et les mauvais esprits, control that spirit, contrôlent cet esprit. But up in heaven, et là-haut dans le ciel, your true soul, votre véritable âme, is represented, est représentée by the word, par la parole. So God, et si Dieu does not see you, ne vous voit pas, the way I see you, la manière dont moi je vous vois, when God looks at you, quand Dieu vous regarde, what he sees, ce qu'il voit, the word, c'est la parole. So when we say, donc quand nous disons, there is nothing against you, qu'il n'y a rien contre vous, we are not referring to this man here. Nous ne référons pas, nous ne faisons pas allusion à cet homme. Nous faisons allusion à la manière dont Dieu vous voit. Because up in heaven, parce que là dans le ciel, God sees you, Dieu vous voit as the word, comme la parole. And the word, et la parole cannot sin, ne peut pas pécher. The word, la parole is perfect, est parfaite. Is that easy for you? Est-ce simple? Est-ce facile pour vous? You are the word bride. Vous êtes la parole épouse. There's nothing l'épouse parole. You. Vous êtes l'épouse parole. Il n'y a rien contre vous. Your word in heaven. Votre parole dans le ciel is in a perfect state. Est dans un état parfait. You only came here, vous êtes seulement venu ici to be tried, pour être éprouvé. Because you bypassed the word, parce que vous avez contourné la parole that was supposed to express that thought, qui était supposée exprimer cette pensée. You see, because words, parce que la parole is what give birth to thoughts, est ce qui donne naissance aux pensées. Thoughts are only born, les pensées sont seulement nées by words, par la parole. So you can have a thought, vous avez des pensées, but your words are wrong in expressing that thought. Mais votre parole est forcément exprimée dans cette pensée. If the words you choose are wrong, si la parole que vous utilisez est fausse, you will not express that thought well. Vous n'allez pas bien exprimer cette pensée. So you've got to choose words, donc vous devez utiliser des paroles to express your thoughts, pour exprimer vos pensées. Because thoughts are only born by words. Parce que les pensées sont seulement nées par la parole. Jesus said, Jésus a dit, the words I speak unto you, les paroles que je vous parle, they are spirit, sont esprit, they are life, et sont vie. That is what I call spoken word. C'est ce que j'appelle la parole parlée. So spoken word, donc la parole parlée has two things with it, a deux choses qui vont avec. A life, une vie, it has a spirit, et un esprit. So the thoughts of God in you, donc la pensée de Dieu en vous, has eternal thoughts, est une pensée éternelle inside of you, à l'intérieur de vous. They are waiting, et cela attend for spoken word, la parole parlée. Words, la parole with spirits,
avec un esprit and with life. Et avec une fiche. That's how those thoughts are born. Voilà comment ces pensées sont nées. And only Jesus et seul Jésus has spoken words. Avait la parole parlée. That's why Jesus voilà pourquoi Jésus has to come back devait revenir in a vital ministry dans un ministère brings back spoken words. Pour ramener les paroles parlées. Words la parole with spirits avec un esprit and with life. Et avec une fiche. So it takes spoken words. Parce que c'est la parole qui est née. To bring back original seeds. Pour, il faut la parole pour ramener la semence original originale. Thoughts. Des pensées originales. Those thoughts of God. Ces pensées de Dieu. Elohim's mind. Qui étaient dans la pensée d'Elohim. Locked up inside of you. Qui sont cachées à l'intérieur, fermées à l'intérieur de vous. Que quelqu'un crie Alléluia. Que quelqu'un crie louange à Dieu ce soir. J'ai terminé. Now it's time. Maintenant c'est le temps for Holy Ghost ministry. Pour le ministère du Saint-Esprit. Now season. Maintenant c'est la saison. Now you know exactly who you are. Vous savez exactement qui vous êtes. You know exactly where you come from. Vous savez exactement d'où vous venez. Locked up in your soul. Caché dans votre âme. And this eternal thought. Cette pensée éternelle. And God brought a message. Et Dieu vous a apporté un message. Cette tonnerre. Hidden mysteries. Les mystères cachés. To reveal the thought of God pour révéler les pensées de Dieu à l'intérieur de vous. The hidden life. La vie cachée. But this season, mais cette saison-ci. That life, cette fiche. Must be energized doit être énergisée. By his spirit, par son esprit. In the inner man, dans l'homme intérieur. Strength, la force. Power, la puissance. Flowing out. Qui s'écoule of your inward parts. De votre partie intérieure. Hallelujah. Hallelujah. And this virtue power et cette puissance, cette vertu puissance, is a hidden mystery c'est le mystère caché in charity. Dans la charité. Charity. La charité. Elohim. Elohim, la this morning, comme Frère Théo l'a dit ce matin, Malachi 4, Malachi 4 revealed the son of man, a révélé le Fils de l'homme. We know that. Nous savons cela. But son of man, mais le Fils de l'homme must go doit partir with a threefold revelation. Avec une triple révélation. Because son of man, parce que le Fils de l'homme is the revelation, c'est la révélation one, un, of Elohim, de Elohim, the Father. Le Père. We only knew who the Father is. Nous connaissions qui était le Père. Jesus Christ revealed them to us. Mais Jésus l'a révélé. He said, if you have seen me, il a dit, si vous, quand vous me voyez, you have seen the Father. Alors vous voyez le Père. So he came to reveal the Father. Donc il est venu révéler le Père. But not just that, mais pas seulement cela. He came to reveal the redeemer son. Il est venu révéler le Fils racheté. The son of God. Le Fils de Dieu. He reveals that. Le Fils de Dieu. But not just that, et pas seulement cela. He came to reveal the bride. Il est venu révéler l'épouse. So Elohim, donc Elohim. Logos. Logos. The bride. L'épouse. Makes the Godhead. Cela constitue la divinité. And the fullness of God. Et la plénitude de Dieu. Elohim. Elohim. Logos. Le Logos. Bride, l'épouse. Was in son of man. Était le Fils de l'homme. The fullness. La plénitude. Of the Godhead. De la divinité. Bodily. Était en lui. Corporellement. That makes Jesus, c'est ce qui fait de Jésus the center, le centre of the revelation, de la révélation of the Father, du Père of the Son, du Fils of the bride, Holy Spirit. Et de l'épouse, le Saint-Esprit. So what we say, donc ce que nous disons Elohim, Elohim that's the Father. C'est le Père. Bible says the Father. La Bible dit le Père. But before God became a father, mais avant que Dieu devienne le Père, what was he? Qui était-il? Huh? God became a father, Dieu est devenu le Père when he created himself as a son. Lorsqu'il s'est créé comme un fils. But before he had a son, mais avant qu'il ait un fils, what was he? Qui était-il? It was El Ela Elohim. Il était El Ela Elohim. Praise God. Louange à Dieu. So on the back side of the father, ainsi, le dos du Père was Elohim, se trouvait Elohim. Self-existing. Celui qui existe, self-sufficient, celui qui existe par lui-même, Elohim, celui qui est tout puissant, Elohim, creation, Elohim est devenu une création in the Logos, dans le Logos. That was the beginning, ça c'était le commencement of the creation of de God, la création de Dieu. But it did not stop there. Mais il ne s'est pas arrêté là. There was a continuation. Il doit avoir une continuation. When Elohim said, et Elohim a dit to Logos, au Logos, let us make man, faisons l'homme. That was a continuation, ça c'était la continuation of the creation of God, de la création de Dieu. So you are represented. Donc, vous êtes représenté in the Godhead, dans la divinité by spirits, par un esprit. It's so easy. C'est si simple. Your representation, votre représentation is my spirit. C'est pas un esprit.
You will not know who a man is. Vous ne connaîtrez pas qui est un homme. You know, à moins de connaître the spirit, l'esprit that's representing him. Qui le représente. I know people today are not spiritual. Et je sais que les gens aujourd'hui ne sont pas spirituels. But every physical state you see. Mais chaque état spirituel et physique que vous voyez, chaque état physique que vous voyez a une dimension spirituelle. Frère Branham dit, alors que vous vous tenez ici physiquement, there is some part of you, il y a une partie de vous that is somewhere else, qui est quelque part d'autre. So you have a spiritual dimension. Donc vous avez une dimension spirituelle. You are not all physical. Vous n'êtes pas physique seulement. But the devil is clever. Mais le diable est rusé. He tries to make you senses conscious. Il essaye de vous amener à être conscient au sens. It takes your focus. Et il enlève votre focus away from your spiritual reality. Loin de votre réalité spirituelle. But you have a spiritual reality. Mais vous avez une réalité spirituelle. This is not all that I am. Ceci n'est pas tout ce que je suis. My spiritual reality, ma réalité spirituelle, is Holy Spirit. C'est le Saint-Esprit. I want to be identified. I want to be identified. Je veux être identifié. By the Holy Spirit. Par le Saint-Esprit. I want to have a nature. Je veux avoir une nature of the Holy Spirit. Du Saint-Esprit. I want to become. Je veux devenir the Holy Spirit. Comme le Saint-Esprit. Like Brother Branham. Comme Frère Branham. He was so inclined with God. Il était tellement uni à Dieu. He was so in one with God. Il était tellement un avec Dieu. Until people missed him for à Jesus tel point Christ. Que les gens l'ont pris pour Jésus. That's the kind of adoption I'm looking for. Ça, c'est le genre d'adoption que je recherche. Because adoption. Parce que l'adoption is a mystery. Est un mystère. It is a mystery. C'est un mystère of your oneness with God. De votre unité avec Dieu. That you can become one with où God. Vous pouvez devenir un avec Dieu. The unity of the faith. Par la foi. Oh, somebody shout hallelujah. Et quelqu'un crie hallelujah. That is my desire. C'est mon désir. And Paul is inside of me. À l'intérieur de moi. I want to be one with God. Je veux être un avec Dieu. Not just a little bath. Pas seulement une naissance. Like je veux être comme Malachi 4. I want to stand here. Je veux me tenir ici. No human elements. Plus d'éléments humains. Just God veiled. Seulement Dieu voilé. God inside of my Dieu à l'intérieur de ma partie intérieure. That's the adoption I want. Voici l'adoption que je so veux. When you see me, donc quand vous me voyez, you don't see me no more. Vous ne me voyez plus. Like Paul said, comme Paul l'a dit, it is no longer I that liveth. Ce n'est plus moi qui vis. It is Christ. Mais c'est Christ that now lives in me. Qui vit maintenant en moi. Ça c'est l'adoption that I am looking for. Que je recherche. Oh, praise God, hallelujah. Oh, louange à Dieu, hallelujah. Praise God, amen. Louange à Dieu, amen. Now the false anointed ones, maintenant les faux soins. Listen, écoutez. False anointed ones, les faux soins. They have the Holy Spirit. Ils ont le Saint-Esprit. But you know what? Mais savez-vous quoi? The trouble is, le problème est, they never become one without Holy Spirit. Ils ne deviennent pas un avec ce Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, but they are never one with that spirit. Mais ils ont le Saint-Esprit, mais ils ne deviennent pas un avec cet esprit. So the Holy Ghost comes upon them. Donc le Saint-Esprit vient sur eux. Heal the sick. Ils guérissent les malades. Tribal spirits. Ils chassent les esprits. But their inner nature. Mais leur nature intérieure. They are not one with that spirit. Ils ne sont pas un avec cet esprit. But your adoption, mais votre adoption, perfection, votre perfection, is to make you one. C'est d'être un. With God. Un avec Dieu. Because you came from God. Parce que vous venez de Dieu. You are going back to God. Et vous retournez à Dieu. This body you are carrying. Ce corps que vous transportez. It's just a coat. C'est juste un vêtement. It will soon shed off. Un vêtement qui sera bientôt your jeté. Spirits. L'esprit humain. Will soon die by fire. Va mourir bientôt par le feu. Your human soul. Votre âme humaine. Is a dying nature. Est une nature mourante. Because the spirit of God in you. Mais l'esprit de Dieu en vous. Ne meurs pas. C'est éternel. Criez hallelujah. Louange à Dieu, hallelujah. Oh, oh, louange à Dieu, amen. Hallelujah. 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 Gloire à Dieu. Let me see that. Vous pouvez vous asseoir. I'm finished. J'ai fini. I want to share a quote with you. Je vais partager une citation avec vous. Then I'll go. Et alors je partirai d'ici. This is a question. Et c'est une question that was asked by the Branham. Qui a été posée à Frère Branham. This quote blessed my heart for years. Et cette citation a béni mon âme pendant des années. The question is, et la question est,
Please explain the mystery of the translation of the bride. Explique s'il te plaît la, le mystère de la translation de l'épouse. That's the question. Ça c'est la question. Listen to the answer. Maintenant écoutez la réponse. Bram says, we cannot receive the promised son. Nous ne pouvons pas recevoir le fils promis. That promised us today in this bodies that qui nous a été promis aujourd'hui dans ce corps dans lequel nous vivons. This bodies, ce corps, sin. Ce corps est péché. The first conscience, la première conscience, controls this body with see, taste, feel, smell. Contrôle ce corps avec le goûter, l'odorat. And has just got us all scrupled up. Et cela nous a tout embrouillé. We reason and everything else. Nous raisonnons et toute autre chose. But that new body, mais ce nouveau corps. That comes from this born again, qui vient de cette nouvelle naissance, not this first conscience, pas cette première conscience, it will pass away. Cela va faillir, cela va passer. It's that inside something that lives. Mais c'est cette chose intérieure qui vit. Everybody understands it, say amen. Et si tout le monde comprend, dites, si quelqu'un comprend, qu'il dise amen. So it's not this outside see, non, ce n'est pas cet extérieur, voyez, qui sent, qui touche, qui goûte. It is it. Ce n'est pas cela. It's subject to death and will die. Il est assujetti à la mort et il mourra certainement. But the inside part of you, mais la partie intérieure de vous, down in here, à l'intérieur ici, inside, à l'intérieur, there is the person, c'est la personne that cannot die. Qui ne peut pas mourir. Listen. Écoutez. And that's the person that the new life starts from. Et c'est la personne à partir de laquelle la nouvelle naissance, la nouvelle vie débute. From this new birth. À partir de cette nouvelle naissance. And it builds. Et cela construit. Another person. Une autre personne. In the image. À l'image. Of this person you are. De cette personne que vous êtes. Around that life. Autour de cette vie. C'est une citation puissante. Maintenant, pensez-y. Quand Paul a dit que nous serons changés from mortal du mortel to immortality, à l'immortalité, the translation, la translation, watch the mystery here. Observez le mystère ici. So it means out of your new birth, de votre nouvelle naissance, out of your born again, de votre nouvelle naissance, Brother Branham said, Frère Branham dit, another man, un autre homme, another person, une autre personne, in the image, à l'image of the person that you are, de la personne que vous êtes. What he's saying, c'est qu'il dit, from your new birth, de votre nouvelle naissance, will come, Paul calls him the new man. Paul appelle cela l'homme nouveau. This new man, et cet homme nouveau, will look exactly like you, ressemblera exactement comme vous. But it's another man. Mais c'est un autre homme. Formed in the image, formé à l'image of this person you are, de cette personne que vous êtes, around that born again life, autour de cette vie née de nouveau. Now, maintenant, the natural birth, la naissance naturelle. Bam says it's so mysterious. Frère Branham dit, c'est si mystérieux. How did you come here? Comment est-ce que vous êtes venu ici? Sperm, le sperme, a germ of life, un germe de vie, came from the body of your father. Est sorti du corps de votre père. Right? N'est-ce pas? Then your mother, et alors votre mère, released a mature egg, a libéré un œuf mûr. And that egg, et cet œuf, united with sperm, s'est uni avec le sperme. And form a creation, et a formé une création, that is called zygote, qui est appelé zygote. Zygote. From that zygote, I don't understand it. From that zygote, et à partir de cet homme. From that zygote, et à partir de ces zygotes, it begins to multiply. Il a commencé à se multiplier. Cell after cell, cellule après cellule. And you came forth. Et vous êtes sorti. So that is a type. Donc c'est un type. Elohim. Elohim. In the time of life. Au temps de la vie. Comes to the vital ministry. Vient dans le quintuple ministère. Release the sperm. Libère le sperme. The seed jar.
Le germe s'émance. Because right now, parce que maintenant même, your virtues are mature. Votre vertu est mûre. How do you know your virtues are mature? Comment savez-vous que votre vertu est mature? Because you can forgive. Parce que vous pouvez pardonner. You get some patience. Vous avez la patience. You get some temperance. Vous avez la tempérance. You can handle any situation. Vous pouvez maîtriser chaque situation. Your virtues are mature. Votre vertu est mûre. The egg is mature. L'œuf est mûr. Just waiting for sperm word. Vous attendez la parole sperme d'Elohim. To connect. Que cela se connecte avec votre sémence mûre. Et cela forme une création. Another person. Une autre personne. A different person. Une personne différente. Paul calls that the new man. Paul appelait cela l'homme nouveau. The new man. L'homme nouveau. That's new man. Et cet homme nouveau, the man that's going to the rapture. C'est l'homme qui va dans l'enlèvement. Not this man. Pas cet homme-ci. Not this man. Pas cet homme-ci. Not this man. Pas cet homme-ci. It's a new man. C'est un nouvel homme. It's a God man. C'est l'homme Dieu. It's a word man. C'est l'homme parole. It's a Holy Ghost man. C'est l'homme Saint-Esprit. That's the man that's granted the rapture. C'est l'homme qui va dans l'enlèvement. Parole après parole. Word after word. Parole après parole. Praise God, hallelujah. Louange à Dieu, hallelujah. So that is why. Ainsi, c'est la raison pour laquelle. Dans la pyramide. Between L-O-V, entre le A-M-O-U-R kindness, et l'affection fraternelle Holy Spirit, se trouve le Saint-Esprit. So when Jesus Christ is coming back, donc quand Jésus revient, he only comes on Holy Spirit. Il revient avec le Saint-Esprit. Not on human spirits. Pas avec un esprit humain. The Holy Spirit, le Saint-Esprit, it's all that's going to the rapture. Le Saint-Esprit est ce qui va dans l'enlèvement. That's why tonight, voilà pourquoi ce soir, take nothing less than the Holy Spirit. Ne prenez rien de moins que le Saint-Esprit. Luttez pour le Saint-Esprit. Do all that you can. Faites tout ce que vous pouvez pour recevoir un nouvel esprit en vous. This old spirit, parce que cet esprit, this old man, cet homme, is going to die. Ce vieil homme, ce vieil esprit va mourir. Mais Dieu will give you a new spirit, vous donnera un nouvel esprit. His own spirit, son propre esprit. Your original spirit, votre esprit original. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Lift up your hands. Levez vos mains. Tonight, ce soir, God is talking to somebody tonight. Dieu parle à quelqu'un ce soir. Just for a few minutes. Close your eyes. Fermez vos yeux. Play for me dear softly. Jouez pour moi tout doucement. Fermez les yeux. Jouez pour moi tout doucement. Tout le que tout le monde ferme les yeux. La parole qui est sortie. Maintenant le Saint-Esprit peut suivre. Maintenant vous devez écouter ceci. You need to know this. Vous avez besoin de connaître ceci. So this is your inheritance. Ceci est votre héritage. You can be healed today. Vous pouvez être guéri aujourd'hui. And be sick tomorrow. Et être malade demain. But what you have just had, mais ce que vous avez, this is eternity. Ça c'est l'éternité. This will hold on to eternity. Cela va rester demeurer jusqu'à l'éternité. Sickness, la maladie, cannot take it away from you. Ne peut pas l'ôter de vous. This Holy Spirit, ce Saint-Esprit, once it comes in you, une fois qu'il vient en vous, nothing can take it away from you. Rien ne peut vous l'enlever. That is your eternal hope. C'est votre espérance éternelle. That's the hope of every believer. Ça, c'est l'espérance de chaque croyant. So tonight, par conséquent, ce soir, as you lift up your hands, alors que vos mains sont levées, first and foremost, alors que vous levez les mains, say God, premièrement, dites Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi de ton esprit. Listen, écoutez. In the kingdom, dans le royaume, receiving, recevoir, does not mean you don't have it. Cela ne veut pas dire que vous ne l'avez pas. In the kingdom, dans le royaume, you've got to have, vous devez avoir to get, pour recevoir. It is him that has, c'est celui qui a that shall be given. C'est à celui qui a qui recevra. It is him à qui that sera, has, c'est celui qui a. He said, he that hath not, c'est celui qui n'a pas, even little has, même le peu qu'il a, shall be taken from him. Lui sera ôté. So therefore tonight, par conséquent ce soir, there is a measure of God in you, y a-t-il une mesure de Dieu en vous, a measure of life in you, une mesure de vie en vous, and you've got to understand, et vous devez comprendre, that I have a holy life in me, que j'ai une vie en moi, I can become holy, je peux devenir saint, I can live as a Christian, je peux vivre comme un chrétien. You have to know that, vous devez savoir cela, you have to know inside of vous devez savoir l'intérieur de vous, there's a life, qu'il y a une vie.
of holiness. Une vie de la sainteté. Qu'il y a une vie of purity. De la purité. That is why. C'est la raison pour laquelle. We're asking for the Holy Ghost. Vous demandez le Saint-Esprit. Now tonight. Maintenant ce soir. I'll pray with you. Je prierai avec vous. Because I have a burden. Parce que j'ai un fardeau. That somebody be filled. Que quelqu'un soit rempli. With the Holy Ghost. Du Saint-Esprit. That strength. Que la force will begin to flow commence à s'écouler from your inward parts. Depuis votre partie intérieure. Dynamics, la dynamique, power, la puissance, strength, la force in your school, dans votre école, in your office, dans votre bureau begin to flow, commence à s'écouler. You shall receive strength, vous recevrez la force to say no to sin, pour dire non au péché, to say no to depression, pour dire non à la dépression, to say no to evil, pour dire non au mal. From the inward parts, à partir de l'intérieur, levez vos mains ce soir. And say, God, I need your spirit. Et dites, Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. God, fill me. Seigneur, remplis-moi. With your spirit. Remplis-moi de ton esprit. I hate the world. Je déteste le monde. I don't want to go back to the world. Je ne veux plus retourner dans le monde. I want to leave this convention. Je veux quitter cette convention with power. Avec la puissance in the inner man. Dans l'homme intérieur. I want to receive power. Je veux recevoir la puissance. From my inward parts. La puissance à partir de mon Jesus. Être intérieur. Jésus. Come by me to Jésus, viens vers feed moi ce soir. Soul. Remplis-moi, guéris mon âme. Remplis mon âme, vivifie ma semence. Commencez à prier maintenant, 5 minutes. Et je serai parti. Ceci est votre saison. This is your day. Ceci est votre jour. Nothing is so important. Rien n'est trop important than this Holy Spirit. Que ce Saint-Esprit. If God can give you that, si Dieu peut vous donner cela, that is his love to you. Alors cela est suffisant pour no vous. Man can take it away from aucun you. Homme ne peut vous le retrancher. No minister can take it away aucun from ministre you. Ne peut vous l'ôter. Your friends can abandon you. Vos amis peuvent vous abandonner. But if God be for you, mais si Dieu est là pour vous, fear no man. Vous n'avez peur d'aucun homme. If God is inside of you, si Dieu est à l'intérieur de vous, not afraid of any devil. Vous n'avez peur d'aucun démon. Young people, jeunes gens, I know what you're going through. Je sais ce que vous traversez. This night, mais ce soir, some young person, une jeune personne is going to break out. Va, sera délivrée. Allons-y, jeunes gens. Jésus is here for you tonight. Est ici pour vous ce soir. Charity, la charité ne faillit jamais. Criez ce soir for your original spirit. Pour votre esprit originel. I am not an adulterer. Je ne suis pas. I am not a fornicator. Je ne suis pas un adultérin. Je I ne suis pas un fornicateur. Je ne suis pas un pécheur. Je suis la justice de by Dieu. Par le Saint-Esprit. Laisse-moi recevoir ton esprit, Lord, Seigneur. Le Saint-Esprit en moi. Maintenant, maintenant, je te donne le contrôle. Je vous donne accès au Saint-Esprit. Je vous donne maintenant accès au Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.